j'ai tombé, la vie qui tombe et j'en monte. Je suis un rock'n'roll, je suis un rock'n'roll. Il ne faut pas négliger le côté mythe de l'artiste, le côté, que ce soit le côté vestimentaire, le côté coiffure, le côté physique. Moi, j'ai toujours travaillé par instinct, par choses que j'aimais sur le moment, que ce soit musical ou que ce soit scénique, ou même, il faut bien le dire, parce que ça compte pour un artiste, l'image de marque, autant que personnage. Attendez, je suis des fichus. Celui qui faisait hurler les critiques et les parents en 59, en s'inspirant des rockers américains, a traversé les modes, trouvé un style et conquis chaque fois un nouveau public. Il est entré au musée Grévin depuis longtemps, on vient de lui consacrer à Bordeaux une vaste exposition rétrospective. Cette idole de 36 ans attire aujourd'hui des fans de 10 ans en chantant les mêmes thèmes, l'amour, la vitesse, la violence et la rue. Je suis né à Paris, vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. À 30 juin 1943, je suis né dans la rue par une nuit d'orage. Oh oui, je suis né dans la rue, je suis né dans la rue, dans la rue. On murmure actuellement que vous préparez, vous avez un rêve pour le mois de juin, c'est un énorme spectacle, alors comment l'envisagez-vous? Ben moi ce serait de faire un spectacle à Paris, une seule soirée au lieu de faire 5 semaines, cette soirée qui serait une journée de fête, une journée, une soirée de fête, comme c'est mes 20 ans de chanson, et de réunir entre 80 000 et 100 000 personnes, et de faire une soirée qui serait 3 heures de spectacle, 1h30 de chansons que les gens ont aimées pendant 20 ans de moi, et une deuxième partie d'1h30, 2h, où je ne chanterai que des rock'n'roll que j'ai aimés, tous les rock'n'roll que j'ai aimés depuis que le rock'n'roll existe jusqu'à aujourd'hui. C'est un projet qui vous tient à cœur, vous ferez tout pour le faire. Oui, de toute façon je me battrai pour le faire. En France, rien n'est jamais facile quand on veut faire quelque chose. On fait toujours ça dans les choses les plus difficiles. L'administration, c'est quelque chose de très difficile à casser, je veux dire. Mais j'espère que ça marchera. Sans rien révéler, on peut dire que vous pensez à un immense parc où il y aurait beaucoup de gradins. Oui, par exemple. Oui. Ces jours-ci, on s'est aperçu qu'on vous a beaucoup surveillé sur le plan policier. Alors, est-ce que ça se justifiait? Qu'on m'enlève, puis on n'en parle plus comme ça. Mais ils n'auront pas beaucoup d'argent parce que j'aurais pas beaucoup d'argent à leur donner pour la rançon. J'ai une indication de disque.